Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Aujourd'hui, nous allons voir une map horreur. Qu'est-ce que c'est une map horreur? Ben, vous allez voir. C'est ça. Ça m'intéressait de faire une map comme ça parce que, voilà, je me dis, Halloween est passé, oui. Mais moi, c'est pas pour Halloween forcément que je veux visiter ce genre de map. C'est parce que j'ai trouvé intéressant à montrer. C'est une map d'horreur, quoi, donc comme ça vous savez, comme Amnesia et tout, enfin, ça fait moins peur, beaucoup moins peur, très très moins peur, ça fait même pas peur du tout quasiment. Non, non, ça fait pas peur. Mais voilà, c'est une map sympathique, assez phénomène paranormaux et tout ça, on va dire comme un peu comme... Enfin, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour commencer, on va rentrer là. Alors cette map elle est intéressante parce qu'elle montre un peu tout, c'est assez humoristique. Par contre si vous comprenez l'anglais, ben comprenez, c'est tout. We have 999 happy haunts here. Ouais, bon après je sais pas je sais pas qu'est-ce que c'est. OK, je croyais au début que c'était une furie mais non. Ah, j'ai oublié de fermer la porte. Oui, soit. Papa, hein? Oula, il y a un stud. Il y a eu un bug. Elle tombe. Eh, ça commence déjà bien hein, avec un bug comme ça. Voilà. Dommage, ça gâche un peu certaines choses. Je sais pas comment ça se fait, pourquoi j'étais tombé, je suis tombé. En fait, le truc me recule. Ça, j'ai remarqué. Faut que vous surveillez quand parce que ça vous recule. C'est assez sympatoche, je trouve, comme le lol. Comme on dit. Mais vous inquiétez pas, on va revisiter ensemble parce que ça a un peu foiré là. C'est qui parle. Mais dis donc, ils en ont foutu de vos yeux aussi. Tu sens pas seul avec tout ce boucan. Avec cet effet visuel et tout, t'as pas l'impression d'être seul en fait. C'est classe. Et voilà. Donc on va revisiter rapidement nous-mêmes pour
analyser. Donc ici c'est intéressant parce que ça fait une sorte de phénomène paranormal et tout. Je trouve ça sympa. Alors là vous avez un piano qui joue tout seul. Qui fait de la lumière aussi. Là, vous avez des escaliers comme dans le puzzle du Millennium de Yu-Gi-Oh! Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est un Ah, Fury, d'accord. Hein? Lol. Là, vous avez une guirlande qui. Ah oui, ok, c'est même pas un objet, c'est un chiffre, quoi. Un JPEG. Avec mauvaise qualité en plus. Oh, sympa la télé cassée là. Pas très, très pratique pour. Bon, là on compte, on ira plus tard. Là, ben, voilà. Là, vous avez une porte qui bouge. Et je vous rassure, je suis tout seul. Hein. Regardez par vous-même. Je suis tout seul. Il n'y a personne avec moi. C'est des belles animations. Bon, là, la dernière fois, je lui ai dit, tu veux un pot de fleurs? Oh, bah, d'ailleurs, il faut le faire, il est disparu. Ah, non, il est Bon, je vais pas vous mentir, j'ai déjà fait rapidement un tour avant de. Pour pas me gourer. Pour la vidéo, il vaut mieux. Donc là, par exemple, voilà. Il y a un monstre. Fait pas peur, hein. C'est vraiment une map à la cocole, à la loose, c'est marrant quoi. C'est marrant. Ils sont tous en mode démon là. Se sont éclatés les développeurs qui ont fait ça. Hein. Ouf. Non mais ça fait pas peur. Hein. C'est juste marrant. C'est comique. Je sais pas qu'est-ce que ça veut représenter. La lame blanche. Pixel sur 20. Ah oui, là, je vais essayer de descendre. Là, si je trouve un endroit pour descendre. Comment on fait pour descendre encore? Oui, voilà. Toujours du JPEG, hein. Je vais aller dedans, je sais pas, hein. Carrément mal aller sur le personnage. C'est marrant, moi j'aime bien, je trouve. Ouais, il est sympa le. Presque sympa. C'est vraiment en version moche quoi. C'est normal. Ah, j'avais pas vu celui-là. Ah, ils se sont éclatés hein, sur cette map à faire ça. Vraiment, ils se sont vraiment éclatés. Je sais pas quoi qu'elle j'ai pas regardé la date de cette map en fait. Quand elle est sortie, j'en sais rien. D'ailleurs, on va aller sur une autre map aussi qui est un peu même, si je me gourre pas. Comme ça fait une vidéo deux vidéos d'horreur en une. On va d'abord essayer de voir où elle est encore le truc de cristal de la femme là. Et dès qu'on a trouvé ça, on ira autre part. Déjà, vous voyez un endroit où ça n'est pas passé. Alors là, je sais pas. Il semble que c'est du faux. Hein. Oui, voilà. Pas une vraie maison. Non. La seule vraie maison, c'est celle-là. Oui, voilà. Hop. 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 C'est drôle. Alors ici, c'est intéressant aussi. Non, c'est l'autre côté. Mmh.
Elle est où la zone où tu nous enfermais là? Non, non, c'est là. Ici alors. Ah ok, il faut reloguer la map. Quand vous l'avez fait une fois. On peut reloguer éventuellement la map, hein. On quitte et on revient. Faut qu'on fasse vite ça. Ça veut bien. On va reloguer la map pour vous montrer tout simplement qu'est-ce que ça donne quand on se promène, quand on va dans le truc, parce qu'il y a certains scripts qui ne fonctionnent qu'une fois sur la map. Donc ça veut dire que quand vous revisitez, parce que je vous mens pas, j'ai déjà visité les maps que je vais vous montrer, c'est juste pour vous montrer à vous. Moi je sais déjà à quoi ça ressemble. Et ça fait, pour moi ça fait pas peur, c'est juste que lol. Voilà, c'est juste marrant pour me sans plus quoi. Et c'est assez marrant, j'adore. Sincèrement cette map, je les aime bien. Alors bien sûr je suis en hors ligne. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Voilà, je peux même mettre en... Alors... Voilà. Je pense que c'est là. Voilà, c'est ici. Ah oui. Ils ont fermé tout. As they appeared in their corruptible mortal state. Is this haunted room actually stretching, or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. C'est très bien scripté, n'empêche. Qu'est-ce là-bas? Ok. Et voilà, en fait, en bref, au début, en fait, vous les voyez comme ça, en bref. Voilà, là, vous voyez une dame qui fait du perchoir. Là, vous voyez une dame qui est assise, alors vous disiez, ok, elle est assise, c'est tout. Là, vous voyez un monsieur comme ça, à ce niveau-là. Donc, vous disiez, ok, c'est un monsieur qui fait des présentations. Et ici, vous voyez un monsieur qui est assis. Et c'est après que quand ça descend, on voit en fait que c'est une vision d'horreur parce que là, la femme, elle est elle est en dessous d'un crocodile. Donc elle va se faire bouffer en bref si elle tombe. Même si le crocodile saute pas, enfin, vous avez compris. Là, c'est du sable mouvant, selon ce que je vois, selon mon interprétation. Et donc ils sont en train de couler dans le sable mouvant, je sais plus qu'on appelle ça, s'enfoncer, voilà. Et là, ben, là, vous voyez en fait que le mec, il est dépressif parce qu'il a mis une dynamite en dessous de lui, donc il va se faire exploser. Il va se faire exploser. Et en fait, ici, ben, là, vous avez une grosse dépressive parce que elle fait carrément une photo morbide sur un tombeau, tout simplement. Ah oui, et pour le truc, il suffit de retirer ça. Hein, donc c'était un squelette. J'y avais pas regardé, mais je voyais que ça. Voilà. C'était un squelette. Donc c'est une statue, vous risquez rien, hein, regardez. C'est juste un mort. Hein. Un PNJ, enfin, un truc qui bouge pas, quoi. Vous voyez, c'est juste au-dessus. En fait, ils font disparaître le plafond, le temps. C'est bien fait, c'est bien. Et le seul moyen de vous montrer ça, c'était de faire ça, quoi. C'est pour ça que j'ai pris vraiment l'obligation de le faire. Par contre, il semble qu'on pourrait prendre une touche pour ce truc. Touche S. Non. On peut pas me proposer une touche pour ce truc. Touche X. SX. Non.
CTRL-SXXS. Non, dommage. Ça va être tellement plus pratique. Ah oui, du coup, je vais changer de truc. Alors, on va essayer de chercher après le truc de la boule de cristal. À quel côté c'est? J'ai déjà traversé l'intérieur, hein, y a rien, c'est un fond noir. Ah ben là, voilà la femme. C'est assez drôle, celle-là. Donc, comme vous voyez, c'est un JPEG. Hein. J'aime bien, ça fait une... Enfin, j'aime bien, moi, ces trucs. Je suis pas morbide, hein, mais... J'aime pas les dessiner. Moi, j'aime pas dessiner des trucs morbides, par exemple, j'ai horreur. Et pourtant, je suis dessinateur. Donc voilà, on arrive à la fin. C'était ici qu'on pop automatiquement au début. Et comme vous avez compris, il reste, ben, voilà... Tout le château en vite montré. Il n'y a pas plus loin, il n'y a pas plus près. On va aller sur une autre map, maintenant. Si je me gourre pas et que je suis assez rapide, on va pas se gourer de map. Si ça veut bien fonctionner. Ça doit être celle-là. Alors cette map là est pas mauvaise non plus. C'est une map qui est intéressante aussi. Vous allez voir, elle est pas mauvaise du tout. Mais moi je préfère l'autre. Donc celle que je vous ai montré avec... Elle est mieux animée, enfin je sais pas, je trouve celle-là elle est un peu qui coulole en fait, dans le sens que c'est beaucoup de screamers pour rien quoi, ça aboie beaucoup, beaucoup, je France, ayez confiance, ça aboie beaucoup pour rien, comme on dit ça a une grande gueule mais ça aboie, ça n'attaque pas, donc vous allez comprendre de ce que je parle, beaucoup de screamers mais aucun dommage quoi, il n'y a pas d'attaque quoi, vous risquez rien. Vous pouvez vous promener en mode survie dans le truc quoi. Voilà, déjà vous avez un bruit. Mais ici c'est surtout les bruits de qui peuvent faire peur. Bon, on va prendre. Bon, déjà ça c'est raté. Vous entendez hein, c'est désagréable. Bon, ça fait pas peur hein. Si t'es derrière, tu sais, tu peux te cacher, ça changera rien du tout. Lui, tu as bougé, c'est bien. T'as accumulé. Ah, il fait pas trop froid. N'oubliez pas de mettre un pull. Ah. Oui, toi t'as bougé, ben oui, bien sûr. C'est donné un effet de quoi? Ah oui, le troll. Ok, j'ai compris. Bah oui, bien essayé. Le troll. Oh, mais. Je dirais qu'on va faire une prière. Attendez, je vais essayer de faire un seul endroit à la fois. Ah coucou les livres, vous avez pas vu. J'avais déjà visité la map, mais j'avais eu les yeux fixés sur ça, mais j'ai pas vu les livres voler en fait. Mais maintenant vous les voyez, hein, coucou. Par contre, il s'est pas cassé la tête, mec. Il a simplement frisé les objets, c'est tout. Il s'est pas cassé la tête. Oui, ça fait peur, c'est sûr. Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur. Fascinant. Oui, je t'ai vu. Il trouve marrant celui-là, il est comique. On dirait qu'il fait boum.
Il est assez marrant. Il fait pas peur du tout, il est plutôt mignon. Texture sur 20. Ah, c'est toujours question d'éloignement. Hein. Après, moi, je modifie un peu ma config quand je fais des vidéos. Je mets pas. Oui, c'est nul. Je mets pas hyper à fond la config, quoi, parce que j'ai pas un PC puissant, donc je peux pas me permettre de faire ça. Ça va, pas trop mal. Tu peux me mettre ce tableau à l'endroit s'il te plaît? Déjà visité cet endroit. Oui, je me perds facilement. Oui, boum. À qui dit boum, comme tu dis. J'ai très peur, t'as vu, j'ai en forme. Non mais là, je suis en train de chercher la... Moi en fait c'est pas que j'ai peur, cette main me fait pas peur du tout, mais c'est que je me perds et j'arrive pas à retrouver un endroit différent. Donc du coup je risque de tourner dans le même endroit. Et c'est assez chiant du coup. Oui, on t'a revu, script reload. Vous c'est le même, hein, vous adorez faire vos scripts reload. Reloader toujours le script, c'est la santé. Heureusement qu'il y a un continu par là. Hein. Bon, par contre, lui, il devra se brosser les dents. Parce que ça va puer de la gueule. Oui, c'est ça. Oui, mais ça c'est bien, c'est une bonne initiative. Mais j'ai passé par là. Hein. Tableau sur 20. Facile. Hein. Ah bah dis donc, quel maquillage. Ça va, la tête. Ah, ça va. C'est marrant. Assez comique. Elle est passée dans un cartoon, c'est bien. Allez. Ah, j'ai pas compris, il y a... À part là. Non, c'est là. Pardon. Non, non, c'est là. Voilà. Magnifique. JPEG sur 20. On a déjà parlé, passé par là, pardon. Ah, il se passe encore des trucs là-bas. Oui, bah écoute, si tu dois accoucher, c'est pas ici. Oui. Oui, comme vous voyez, moi j'ai pas peur. Ah, il a un œil. J'ai pas peur, mais par contre, je me perds facilement. Bon anniversaire, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Oh. Mais bon, voilà. Je fais rien dans le noir. Ouais, je t'ai vu l'œil. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait tout. Hein. Oui, ben ça confirme, c'est toujours la même chose. Bon, ce qui est bien, c'est que les scripts se reloadent à chaque fois, donc. Ça veut dire que vous pouvez vous promener tout le temps et vous. À un certain moment que vous êtes assez éloigné des scripts, il reload. Regardez. Regarde, vous voyez, le bruit recommence ici. Le script doit être quelque part au centre. Et si, hop, ça va reloader la même chose, il me semble. Non pas. Attendez, on va passer par là. Non. Ah bon. Bon. Je sais pas comment ça fonctionne le reload de ce côté-là. Ah, par contre, là, j'ai vu quelque chose. C'est intéressant.
C'est moche, hein. Usine cauchemar. Bon ben voilà, c'était la visite sur des maps horreur. Donc c'est des maps des add-ons. C'est ça, aide-moi, elle a dit. S'il vous plaît. Aide-moi. Mais aider quoi? MDR. J'en étais où? Donc voilà, c'était pour vous dire, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une vidéo courte ou longue, je sais pas en fait combien elle fait. Je sais pas du tout, hein, je vous dis, hein, j'en sais rien combien elle fait. De toute façon, celle-là, elle sera que publiée sur YouTube. Pardon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un truc de texte pour venir parce que comme je comprends pas l'anglais, le seul moyen de comprendre, ben, je suis obligé de traduire en fait. Voilà, je vous dis. Bon, attendez, oui, on voit plus rien. Génial. Mais c'est ça, voilà. Nickel. Ah merde, mais la caméra, elle se fout pas là où je veux. Oh, attendez. Je galère. Bon, écoutez, on va le faire ici, hein. C'est bon. Casser la tête. Voilà. Je vous dis, bye bye à Blin, à bien, à Blin, à Blin. Oui, c'est le perso de Tensud. C'est un créateur qui l'a fait, donc du coup, je porte souvent ce skin-là parce que je le trouve trop classe. Il y en a d'autres, mais bon, moi je préfère les renards, donc du coup, je prends ce personnage-là pour Garry's Mod. Moi, de toute façon, j'utilise que les furies. Donc je vous dis à bientôt et bye bye, c'était Lumi 13 et ben je vous souhaite une bonne continuation hein, pour ceux qui vont regarder si vous adorez ça. Voilà.